Une chose à retenir les aboué. Na kati na ba passe na yo, na mitungi si na yo, na ba souci na yo. Na zo informé au boué. Ata ba zui immeuble soit na lo ba wapi. O ya feni o ba pesi yo et si ça souci na hôtel. Ata ba zui kaka ba actros nyonso ya kiriku. Papa, si on a aussi sa souci dans l'autre. Et aussi, il y a un problème dans l'autre. Pour que nous avons un problème dans la difficulté. Mais l'icône est sur le banabiso. Na kati na ba pasi na bango. Na mitungi si na bango. Ba beli la ki para Yahweh. Yahweh atinde logo mususute. Atinde ben liloba. Liloba de epe sa ki solution. C'est-à-dire liloba de mi ki sa ki. Voilà pourquoi. Kende ko se ke pa na zambe ete. Parole a pokwa na lelo. Et il y a sa solution na kati ya vie na yo et mingi surtout et tonga yo kati na kondima et ba kisela yo boyebi et ba kisela yo bobangi et koli sa kondima na yo afin que na mukolo na kolo yo mona kimbo na yawe to sabeli na kombo na Yesu Kristo. Kolo Yesu Kristo to bitiki na bakokolo na tango oyo poete na kati na bapasi meme tungisi na bango babelela epana yo Yahweh yo tindela ki bango loko mususu te otinda ki liloba liloba ebikisaki liloba na lelo
terre à toko na lelo et sala mosala pratina koko ni sakondi manangai ko bakiselanga boyebi ko santi sangai pe ko buli sangakolo pete mokolo yo ko ya kozwa ekelesia na yo na sangana elongo na basatu o ya wenzambe na sanga mobembo te oyo ko ya kozwa lisangana yo kati na lipata kolo pona ko mema biso na makolo Okumbi sama yawe o sanjulama pwete o zanzambe o kutika la seko zambe. Na kumbo na okolo moko nisipe kumbiksi na mse zubito lodi. Amen. 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 Awe. Enemi na nana kati ya makambo anzambe za timidite. So ina mwone o zanga timide na makambo anzambe toroyoka na te. Na kati ya makambo anzambe ba zanga moto moto. Amen. Amen. Parce que l'esprit de l'homme aujourd'hui, Bible les ont dit misango que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, l'esprit qui crie Abba Père. Kolo papa la mission la combo de Jésus-Christ. Tombeteli ni lobanza pour mabo komakasi. Merci. Toujours pour la dictée à la mission sur les 700, pour télévisé mon sacoli et le mona beaucoup de kota pour la tina na moya ko te à mission. Que le Seigneur Jésus-Christ bambola moko na moko. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Ngolo na Jésus-Christ ezala likolo na yo. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur toi. Amen. Nous nous allons le 26 octobre 2021. Aujourd'hui nous sommes le 26 octobre 2021. Ce qui est aujourd'hui tangoyo. Si nous avons reçu ces moments Ezali par la grâce de Dieu. Ezali nangolu yansambe. Yango tozondi misama kenzambe oyo asangisa kezala kapwa pambola. C'est pourquoi nous sommes persuadés que le Seigneur qui nous réunit c'est pour la bénédiction. Eh tozondi misama kenzamba zana musala kosala nakati nangana yo. Et nous croyons que le Seigneur a une œuvre à accomplir dans toi et moi. Et au nom de Jésus-Christ. Et tu vivras cette œuvre là au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Apocalypse 12. Nous prenons Apocalypse chapitre 12. Nous avons le quatrième saut. Nous sommes toujours au quatrième saut. Nous allons comprendre Apocalypse 12 dans nos biens. Nous voulons bien comprendre Apocalypse chapitre 12. Lengue totali saki que Apocalypse 12 yango moko pekaka les sept sceaux. Comme nous avions affirmé la fois passée, Apocalypse 12 est pareil aux sept sceaux. Lengue moko totali saki aussi Apocalypse 17, 18 ezali nakati ya quatre sceaux. De la même manière que nous avions aussi montré qu'Apocalypse 17 et 18 sont contenus dans le 4 sceaux. Nous lisons au nom de Jésus-Christ Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 6e. Nous commençons à partir du verset 6. C'est mieux que banana 5. Tina verset 12e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Seba, Kosukabiso, toujours dans les tanks. Et l'enfantin et fils. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu, vers son trône.
kuna na kiti na yena ngwende. Et la femme s'enfuit dans le désert. Pe mwasi akimaki na esobe. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Wapi azalaki na esika oyo ebongisamaki na Nzambe. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et y guère dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi je suis vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nabakisi, l'écriture nous dit que quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps et temps. Tango. Et la moitié d'un temps. Pena itenia tango moko. Loin de la face du serpent. Musika na elongi na nyoka. Et de sa bouche. Uto na monoko na le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Afin de l'entraîner par les fleuves. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Et les dragons furent irrités contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Que Dieu bénisse les dieux. Vous pouvez vous rasseoir. Tu es dit que la parole de Dieu, Nzambe, sa parole en ces mots, en ces termes.
Nous savons que le Seigneur donne sa parole en ces mots et ces termes. Ce qui vont comprendre ma terme et écriture sainteté. Si tu ne comprends pas les termes des saintes écritures, et que ça n'a pas si bien comprendre la pensée de Dieu. Cela te sera difficile de comprendre aussi la pensée du Seigneur. Et tu allez croire que nous avons dans sa limite grâce. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Là, il faut que le baka bongo parce que c'est bien copié sur la parole. Là, il faut les témoigner parce qu'il lui a plu de te donner la parole. Nous marchons dans ces langages ici. On a contalé ça d'abord, compréhension écriture. Pour montrer d'abord la compréhension de l'écriture. Le lingue tomoni, la femme a bouti un fils. La manière dont nous avons vu la femme enfanter un enfant mâle. Et ce fils accueilli na trône. Et cet enfant mâle fut enlevé vers le trône de Dieu. Tu as dit déjà que la promesse est allée à fils Wana. Et nous avions déjà montré la promesse qui avait été faite à ces fils-là. Qui a copêtre toutes les nations. Qui est à Kokamba, Bikolonyo, Soya Mabele. La verge y a fait. Na linkenda ya ebende. Et balobi l'enfant. Là, tu es en Apocalypse 2, verset 26. Là, nous sommes dans Apocalypse 2, le verset 26. Et ça récompense pour le Seigneur dans la Église. C'est une récompense que le Seigneur fera à l'Église. C'est pour le vainqueur. Le verset 27. Le verset 27. Il pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Tomoni promesse pour Isaïe na Apocalypse 2, verset 26-27. Nous avons vu cette promesse dans Apocalypse 2, le verset 26 à 27. Tomoni encore dans Apocalypse 12, verset 5, et la promesse et Koko qui s'en met pas à fils enlevé. Et nous avons vu cette promesse s'accomplir chez le fils qui sera enlevé dans Apocalypse 12. Dans verset 5e. Au verset 5. Totali suite, il y a portion écriture. Il y a Apocalypse 12, verset 5. On a vu la suite de la portion de l'écriture d'Apocalypse 12, le verset 5. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et moi, on a vu cet enfant-là recevoir le trône. Apocalypse 3, verset 21. On est allé dans Apocalypse 3, le verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon père sur son trône. Et sa promesse, il y a ma vainqueur, ma pisi, Anne. C'est une promesse faite au vainqueur de l'Église. Là, tout ma promesse, nous sommes bâtis Nicolo et à moi. Là, nous prenons toutes les promesses qu'on a accomplies sur ce fils qui fut enlevé. Ce que nous comprendre, moi, Nawana, ils ont des Églises. Ce que nous comprenons, que le fils enlevé, c'est l'Église. L'Église, Oyo a vaincu. L'Église qui a vaincu. Oh, il a persévéré jusqu'à la fin. L'Église qui a persévéré jusqu'à la fin de la course. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, il fallait que nous puissions donner des arguments. Oh, pour faciliter pour la compréhension davantage. Qui vont plus nous faciliter sur la compréhension. Tout ce qui est 2 Corinthiens 3. On avait pris 2 Corinthiens chapitre 3. Parce que nous t'avons tourné. Parce qu'on peut poser la question. L'Église est une femme. L'Église est une femme. Mais ici, Bazor ben la fils. Mais ici, on nous parle du fils. Et aujourd'hui, 2 Corinthiens 3, pour nous répondre en angon, verset 18. Et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18 pour répondre à cette question.
Tango bokene kosala débat ou bien na muto. Lorsque tu iras par exemple faire des débats avec les gens, ezaka munoko makasi te. Tu ne vas pas mettre, tu ne seras pas seulement vraiment comme ça, non. Donc tango kosala débat, il faut zalande na bekriti. Tu feras des débats avec des écritures. Parce que 2 Timothée 3, verset 16, le dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Les communions se paient, mais la mine importance dans les années. C'est quoi l'importance de Dieu? Le dit, pour enseigner, pour la côté, hein? Pour convaincre. Pour la côté, il y a un autre qui convaincre de la doctrine. Maintenant, toi, tu cherches à convaincre quelqu'un de ta doctrine. Mais on ne peut pas convaincre. Mais on t'a montré le chemin d'amener quelqu'un à la conviction. C'est par les écritures saintes. Et ça, c'est là ma commis saint. Mais il y a aucun saint écriture. Mais toi, tu t'avances sans écriture. Il y a quelqu'un qui est pas la mission. Viens seulement vers nous. Viens seulement dans notre église, on a bien bâti là-bas. Viens seulement chez nous. On peut même t'acheter un sac de riz. Il faut que tu aies des écritures. C'est toi un frère. Surtout des Komobali. Vous allez en avoir qui ment. Ce que nous allons nommer l'obo et son dimissa. Et l'obo et son valeur sur la terre. Ce qui a plus de valeur sur la terre. C'est la parole. Et ça l'inoba. Nous allons nier ce que nous ça. Tout ce que nous pouvons faire. Mais où est-ce que ça ôté? Mais ce qui nous sera jamais ôté. Mais c'est qui Marthe, t'inquiète, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, osomi tungi sape komita na mobulu pona makambo ebe. Na Luc 10. Dans Luc chapitre 10. Alors, une seule chose est nécessaire. Kakelo ko moko ezali mutuya. Marie a choisi la bonne part. Maria ponie sika malam. Qui ne lui sera jamais ôté. Oye bako ki ko boto la kaye ya moso ko mokete. Kaka parole ne ba boto la kamoto te. C'est seulement la parole qu'on ne peut jamais ôter à l'homme. Ce qui Yesu a. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, et que ton temps de repos arrive, même parfois tes ennemis peuvent venir réclamer tes biens après ton départ. L'autre même peut venir ravir la parcelle. L'autre même peut venir ravir la voiture. Mais Jésus a mis la bonne part. Oh, il est sali, il est malade. C'est ce que Marie avait choisi. C'est être auprès, au pied du Seigneur. Sa parole. Et écouter sa parole. Et c'est ce que Moussous va négliger à coller. Et c'est ce que d'autres négligent le plus. À cause de la fidèle dans Moussala et Nzoto. Il peut être fidèle dans sa profession dans la chaîne. Ce qui va le mettre Moussala et Zobana à 6h30. Si on dit que le travail commence à 6h30. Vraiment, à Bola Mouka. Tongo Maka, si quoi comme on a l'air, va pointer à Zaka quand même obéissant. Vraiment, il va se réveiller le grand matin afin d'arriver à l'heure, afin qu'on puisse le pointer un homme ponctuel. Et à la fin du mois. Et à la fin du mois. À cause de son salaire. Il recevra son salaire. Nyon soana, des apona alia, alata. Tout cela c'est pour qu'ils se vêtissent. Ce n'est pas mauvais. Et ça m'a bêté. Il faut y bagaza miloko, ils ont passagère. Il faut savoir que ce sont des choses qui passent rapidement. Mais oye kolekate, c'est la parole. Mais ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Il faut na kati na yo oyoga kap. Il faut qu'en toi tu ressentes un grand désir de la parole. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. L'écriture et le bégoï. L'écriture dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous tous qui les visages découverts. Bisogno son oyo, tosalina elongiba longola elamba esipaka. Donc ceux qui balongole elamba ou esosipa. Donc si on note le voile qui couvre le visage, l'incrédulité est longue dans la vie. Cela veut dire que l'incrédulité aussi est ôtée de ta vie.
intelligence. Donc le Seigneur t'a ouvert l'intelligence. Lelo Israël azana pungi yanga kola. Aujourd'hui Israël est dans le sommeil, dans la soumission. Yango 1 Thessaloniciens 5 pesa exhortation. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5 nous avait exhorté. Ne dormons pas comme ceux qui dorment. Tout là la kelo kola basuso bazali na kola la. Basuso baza kola la c'est Israël. Les autres qui dorment là c'est Israël. Bisu église tola la terre. Nous l'église nous sommes pas dans le sommeil. Ezana tozana temps nuit. Nous sommes pendant la nuit. Mais nous sommes de la lumière. Kasi tozali bana ya pole. C'est ce que 1 Thessaloniciens 5 ezolo. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5. Dans le bicola la terre le kola babo bazola. Donc ne dormons pas comme les autres qui dorment. Babo bazola le kola batiki mutwa za ki 20h 21h 22h la lipongi yango te. Donc dormir là ce n'est pas veiller pendant 21h jusqu'à 23h puis il dort. Non, ne dors pas comme ceux-là qui étaient dans le... Non. Dans la chambre comme ça, on peut dormir. Pour que tu n'aies pas de problème de nez. Mais il y a un sommeil que la Bible refuse. Et ça, incrédulité. Pongi, il y a monté ma avant de continuer pour tanga 2 Corinthiens 3. Avant que je ne continue la lecture de 2 Corinthiens 3. Romains 11. Je prends Romains chapitre 11. Dans Romains 11. Dans Romains chapitre 11. Verset et le Bible. Dans verset 7 et 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi donc? Nini kasi. Voilà verset 7 et Romains 11. Si Israël cherche, Oyo Israël est aluki, il ne l'a pas obtenu. A sui ambote, mais l'élection l'a obtenu. Kasi a sui koponama, tandis que les autres ont été endurcis. Kasi ba misusu bango ba koyaki na moteme. Maintenant, bali koko expliquer endurcissement. Maintenant, on veut expliquer moteme kenzi ona na lolenge mosusu. Bali koko expliquer incrédulité. Maintenant, on veut expliquer l'incrédulité. Verset 8. Maintenant, commence au verset 8. Il y a Romains 11. Romains 11. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir. Des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. Table na bango c'est la loi. Donc mesa bilei na bango de mibeko bazaki na bango. Un filet, une occasion de chute. Mon yama et loko moko ya kokuya na bango. Et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis. Pour ne point voir. Et tient leur dos continuellement courbé. Donc Bazalaki, l'olenge va rejeter Jésus. Donc la manière dont ils avaient rejeté Jésus-Christ. Bazana c'est l'esclavagisme. Donc ils sont sous la captivité, l'esclavagisme. Bazana sommeil. Et ils sont dans le sommeil. Yango, Paul t'a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est pourquoi Paul, en prêchant dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Azolo Baboye, il dit ceci. Otangi yango. Nous le lisons. Parti à verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1er. Il est dans verset 3. Jusqu'au verset 3. Pour ce qui est des temps, na oyetali batango, et des moments, Bebileko, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Donc, temps, il y a enlèvement. Le temps de l'enlèvement. Parce que déjà dans 1 Thessaloniciens 4. Parce que déjà dans 1 Thessaloniciens 4. Verset 13. Dit dans Souka, il y a 1 Thessaloniciens 4. Parce que bien sûr, il nettoie. On parlait sur l'enlèvement au verset 13 jusqu'au verset 10. Voilà. Maintenant, 5, les autres 5. Maintenant, les pour ce qui est des temps ezali, et des moments, ezali, batango, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ezali, na posa, teto, lo, belabino, na, tina, na, car vous savez bien vous-même
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sérénité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les rondeurs de l'enfant, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils ne chanteront point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Donc les autres à Israël. Donc les autres qui dorment, c'est Israël. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous attendons la nuit. Aujourd'hui, nous sommes le temps de la nuit. Mais Israël est dans le sommeil. Mais le peuple d'Israël est dans le sommeil. C'était seulement la prostituée Moïba qui est moine. C'était seulement la prostituée du temps de Salomon à qui on avait volé l'enfant. Dans 1 roi 3. Dans 1 roi chapitre 3. Mais tombé à la Moukani. Mais c'est le matin qu'elle s'est réveillée. Mais Nabutoa Tikala Ikaya Polan. Mais pendant toute la nuit, cette femme reste toujours dans le sommeil. La nuit là représente tous les temps de l'église. Parce que ce qu'on suit Apocalypse 2. La 3. Parce que si tu prends Apocalypse 2 et 3, sur l'église, on parle sur l'église. Mais Bakokanisi église na chandelier. Mais on compare les églises aux sept chandeliers d'or. Là, sont au Apocalypse 1. Là, en lisant Apocalypse 1, verset 19 et 20. Le verset 19 et 20. Lokola babengi église chandelier. Comme on a appelé église les chandeliers. Et simbelo ya mwinda. Donc les chandeliers. Il faut son pas Moïse. Donc il faut retourner dans la loi de Moïse. Na Exode 27. Dans Exode chapitre 27. Verset 20 à 21. Le verset 20 à 21. Et le dit que chandelier papi salango du soir au matin. On nous dit que les chandeliers on l'allume pour brûler du soir jusqu'au matin. Liwa Yesu etali saka coucher du soleil. La mort de Jésus représente le coucher du soleil. Yemo kwaza soleil. Lui-même Jésus est soleil. Tanyo sazalai kotambola. Le temps où il marchait en Israël. Les années du soleil azosa na parcours na. C'était le parcours du soleil. Tango asilisi musala na yona. Lorsqu'il achève son œuvre, ngolo ba soleil na. Cela veut dire le soleil se couche. Yango moni Israël azalaki na des offrandes au Israël ozanga te na mokolo. C'est pourquoi Israël avait deux offrandes qui ne manquaient pas tout le jour. Bazako benga ngo offrande perpétuelle. Ba meka to libonze ya tango. Monsieur zango sala ya tango. Donc il y avait une offrande du matin. Monsieur zaki ya pauvre. Et l'autre était celle du soir. Oh ya pauvre, ils avaient tali sa Christ Jésus. Et l'offrande du soir représentait l'œuvre du Christ Jésus. Donc Jésus-Christ a quoi beaucoup faté na tango boy. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir le matin. Il fallait qu'il meure le soir. Sa mort est à 15h na heure na biso. Et sa mort s'était passée à 15h de notre montre. Et Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est ça le soir. Il y a un de pourquoi. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant, Tango église est bandi. Et lorsque l'église a commencé sa marche, Outa Jérusalem. Depuis l'église de Jérusalem. L'église est à la Tamboli na Jidé. L'église a marché de Judée. Samarie. Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. J'y parle des autres Yabikolo. Et ça tant Yabutu. Donc c'est le temps de la nuit. Parce que
Parce que le coucher du soleil s'est passé à la croix. Le coucher ou le sommeil représente la mort. De la même manière, pour que Ève soit manifestée, Adam devrait être frappé du sommeil. Et cela représentait l'image de l'œuvre de la croix. Or Jésus a expliqué à Bissot. Or Jésus nous avait expliqué. Dans Jean 11. Dans Jean chapitre 11. Kola la pétalisaka ni. Que représente le sommeil? Il a dit à ses disciples. Notre ami Lazare dort. Il faut que nous allions le réveiller. Thomas a dormi sur Gazola. Mais Thomas dit si dort. Il va s'élever. Pourquoi nous devons toujours y aller parce qu'il dort? Là, Jésus-Christ expliquait le sommeil comme la mort. Et là, Jésus expliquait le sommeil comme la mort. Il nous a aidé pour comprendre. Même si tu vois Adam frapper le sommeil, le sommeil d'Adam était le signe de la mort. C'est pourquoi tu verras le roi Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, a dit qu'il a posé une sagesse pour aider à Salomon n'avait jamais demandé à Dieu la sagesse étant sobre ou en veille. Non, cela ne s'est pas passé comme ça. Non, c'était dans le sommeil. Avant que je ne continue encore la lecture. 1 Roi chapitre 3. L'écriture et le Bible. L'écriture nous dit ceci. À partir du verset premier. Salomon s'allia par le mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Salomon na akangama ki na zela ya libala na mokonzi Égypte ofala. Na kimba na mokona verset 3. Je vais directement verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Salomon na alikaka nzambe. Et suivait les coutumes de David. Son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi est rendu à Gabaon pour y sacrifier. Là, dans un verset 4, il y a un roi 3. Là, je suis au verset 4 de 1 Roi chapitre. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon a abonda qui ba meka kotomoko. La commune au verset 5e à 1 Roi 3. À Gabaon, Namoka Gabaon, l'Éternel apparut en songe. Yahweh abimela ki nandoto à Salomon abimela pendant la Salomon nuit na boutou, et Dieu lui demande lui dit pe nzambe a singali, demande ce que tu veux que je te donne singanga oyo lingi na pesa yo ezala kandoto c'était le songe ezate que Salomon zangia kolamuka ce n'était pas que Salomon était la sagesse. Seigneur donne-moi la sagesse mais si on est à la tête. Il n'y a pas un tel verset dans la Bible. C'était un songe. Et ça là qui n'a d'autre. Ah, c'est ça. Parce que faut la précision. Parce qu'il faut avoir la précision dans tout ce que tu dis. Kaka momoko. Seulement un seul mot. Et vous pouvez bisalité à nionsonzamba bongisa. Peut venir endommager tout l'enseignement que tu avais préparé dans les études. Bon ami les alaki azana sommeil. Pourquoi c'était pendant le sommeil? Hein. Premièrement, cela montrait sommeil à Jésus-Christ na croix. Kolala Jésus Christ de Colosse. Parce que kolala ezaliwa. Parce que le sommeil c'est la mort aussi. Tango Jésus assisi musala na ye. Lorsque Jésus a achevé son œuvre, alamu ki ezali c'est quoi? Il s'est réveillé, c'est comme la résurrection. Banamoko awo komona ke Salomon comme sage. Et directement tu vas remarquer que Salomon est devenu plus sage. Mais bolamu ki ya véritable Salomon Jésus-Christ. Mais le réveil du véritable Salomon qui est Jésus-Christ. Zotonaye zamena église. Son
corps, c'est maintenant l'église du Seigneur. Et ça, Salomon qui s'éveilla de son sommeil. Donc c'est Salomon qui s'éveilla de son sommeil. Yango, Ephésiens 3 et l'obé. C'est pourquoi Ephésiens 3 dit ceci. À partir du verset 10e à 11e. À partir du verset 10 et 11. C'est par l'église qu'on connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ça, l'église, il n'y a pas. Parce que l'église c'est le corps de Jésus-Christ. Oui, l'église y a des alliés dont toi es Christ. Et ça, Salomon c'est à la moitié. Donc c'est comme Salomon qui s'éveilla de son songe. Amen. Donc c'est très important parce que nous avons qui penser d'abord à sommeil. C'est très important parce que j'avais pris les la pensée. Aujourd'hui c'est par l'église que Gomona. La sagesse soit dans Salomon, c'est dans l'église. Et aujourd'hui, c'est par l'église que tu verras cette sagesse-là de Salomon. Parce que c'est après son réveil. Oui, tes alliés n'ont si ma colamoukanaïe. Cette sagesse s'est manifestée. Alors, la sagesse qu'il demanda en songe fut manifestée. Sommeil n'aïe, il montait à la croix. Son sommeil représentait l'œuvre de la croix. Christ. De Jésus-Christ. N'a si ma naïango colamoukaïa Salomon, il a la résurrection. Et le réveil de Salomon comme la résurrection. Là. Au commun à Jésus dans la carte église. Et là, tu vas voir Jésus dans l'église. Et Ephésiens 3 et l'obé, église, dans la carte, nous allons trouver sagesse infiniment variée de Dieu. Et Ephésiens 3 dit dans l'église, tu vas trouver la sagesse infiniment variée de Dieu. Maintenant, nous allons tendre à Awawana 2 Corinthiens 3. Maintenant, nous lisons ici dans 2 Corinthiens 3. Verset 18. Le verset 18. Bon à côté, il s'assied fils. C'est l'église. Pour montrer que le fils qui fut cette église. Nous tous qui est le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir. Contemplons comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Donc nous regardons une image. Et nous sommes transformés en la même image. Donc nous regardons Christ qui est cette image. Et nous devenons Christ que nous regardons. Vous suivez le texte? Nous sommes transformés à la même image. Nous sommes beaucoup en anéliligi ou en amoko. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Nantela yankolo oyazali moli mosa. Donc, qui sait qu'il y a encore texte au Ephésiens 4. On avait rajouté encore les textes d'Ephésiens 4. Rôle et ministère de la parole. Le rôle du ministère de la parole. Nous voyons que verset 11e tient à verset 14e. On avait pris le verset 11 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Là, le Seigneur a zoomé sur le ministère de la parole. Là, le Seigneur parle au sujet du ministère de la parole. Il y a un vrai ministère de la parole, les amis. C'est quoi le rôle du ministère de la parole? C'est le verset 12. 13, na 14, des autres bâtis dans le ministère de la parole. Ce sont le verset 12, 13 et 14 qui nous donnent le rôle du ministère. Il y a Ephésiens 4. Ephésiens 4. Pour le perfectionnement des saints. Pour na boko ki be yabasantu. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nansela mosala ya lotomo pe ya motongi ya nzoto à Christo. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenir à l'unité de la foi. Donc, ministère est ça comme ça pour nous comme un enseignement moko. Donc, le ministère travaille afin que tous nous parvenions à l'unité de la foi. C'est ça l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, les ministères ont travaillé. Donc, le ministère travaille. Pour aimer ma biso, mes abiso, Christ. Donc, pour nous amener afin que nous devenions Christ Jésus.
Et ce qu'il a dit aussi au verset 18. 3, verset 18. Il y a 2 Corinthiens. Le verset 18 de 2 Corinthiens, chapitre 3. Que nous avions montré. Dans notre enseignement sur les trois présentations. Sur l'année. Non, vous la manquez. Tolobaki, qu'il y a les présentations des hommes aussi. Deuxième présentation, c'est l'église et comme l'homme. Et on avait montré que la deuxième présentation, c'est l'église qui devient homme. Nous avons l'écriture, il y a 1 Corinthiens 16. On avait pris l'écriture de 1 Corinthiens 16. Le verset 13. Le verset 13. Et Paul a exhorté l'église. Paul, il y a Corinthe. À l'église des Corinthiens. À l'église, soyez des hommes. Pose à la mi-bali. Donc, à Zoïb, c'est l'église. L'église, c'est une femme. Il parle, il s'adresse à l'église qui est une femme. Mais à l'obéir, on a un impératif, c'est un ordre. Mais Paul le dit comme un ordre. Soyez des hommes. Pose à la mi-bali. Donc, église et comment l'homme. Donc, l'église devient aussi homme, mi-bali. Donc, et comment la statue parfaite de Christ. Et devenir à la stature parfaite de Christ. Le passage que nous avons utilisé. Tous ces passages que j'ai utilisés. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Éphésiens 4, le verset 11 à 13. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Ils ont dit que l'église est comme l'homme. Montre que l'église devient homme. Et même sur vos yeux, Colossiens 1. Et même en prenant Colossiens chapitre 1er. Verset 27 à verset 28. Le verset 27 au verset 28. Et total ici déjà. On avait déjà montré. Et le verset 5e, il y a Apocalypse 12. Le verset 5 d'Apocalypse 12. La promesse rebâtie pour notre fils Rouana. Le promesse qu'on a donné pour ses fils. Toujours que nous voyons dans l'église. Nous le voyons aussi dans les églises. Total dans l'église à Thyatire. On l'a vu dans l'église de Thyatire. Dans Apocalypse 2, verset 26 à 27. Dans Apocalypse 2, le verset 26 à 27. Total dans aussi dans l'église à Laodicée. On l'a vu aussi dans l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 21. Dans Apocalypse 3, le verset 21. Un passage où on est pour confirmer Bissot. Tous ces passages. Que le fils qui est enlevé vers Dieu. Esaïe soko péré jusqu'à la fin. C'est toi l'église si tu persévères jusqu'à la fin. Pour garder la foi. Tu gardes la foi. Pour combattre les bons combats. Et tu combats le bon combat. Et au cause à la comme vainqueur. Mais au cause à la molongi. Et on a katia koloba na biso. C'est pourquoi dans notre exposé. Total qui verset 11e Apocalypse 12. On avait vu au verset 11 d'Apocalypse 12. Et le Bible qui dit ceci. Ils l'ont vaincu. Vainqueur. Moi na moko oyazali molongi. C'est même enfant là qui est vainqueur. Oyo batali ici na verset 5e. Qu'on a montré au verset 5. Na verset 11 ba komisie ebele. Au verset 11, on a pluralisé cet enfant. On l'a fait plusieurs. Ils l' ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ah, bah l'obérité qui est ange, bah longi pour maquiller son panier. Ici, on n'a pas parlé de sang. Ange n'a pas de problème à maquiller. L'ange n'a pas de problème du sang. Maquiller et son panier pour n'abissons. Le sang était versé en notre faveur. Rédemption est à bon ange. La rédemption n'est pas pour les anges. Sinon, kolobake ba ange ba komaki ba démon ba bozonga ba ange a bien. C'est là tu diras que les anges qui étaient devenus des esprits méchants retourneront comme les anges de Dieu. Ba ange. Les anges. Bango programme à rédemption est à bon abangote. Les programmes de la rédemption ne les concernent pas. Programme à rédemption est à bon Adam bon abisso. Les programmes de rédemption c'est pour Adam en notre faveur. Yango zamba sala ki elembo ya kuboma nyama alati Adam posuna Eve. C'est pourquoi le Seigneur avait donné pour signe qu'il a tué l'animal depuis l'air a revêtu de sa peau. Et l'homme sala ki c'est tout ainsi. Tout ce qu'il avait fait là c'est tout est ainsi. Bon abotali sali agoya ko racheta ka l'homme. Pour montrer qu'il viendra racheter l'homme dans la suite des temps. Même si na place wana a benganié. Même si en ces temps là le Seigneur les avait chassés. Mais Adam na Eve bakenda na signe des dieux dans nous autres. Mais Adam et Ève étaient partis avec les signes des dieux dans leur corps. Signes des dieux, Balatawa. Les signes des dieux qu'ils avaient sur c'est leur corps. C'est un programme des dieux. Et ça n'est pas bon qui
jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse par l'œuvre de la croix. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a accompli par l'œuvre de la croix. Son habit. Le Seigneur nous a donné son vêtement. C'est pourquoi nous rendons gloire toujours vivant. C'est pourquoi nous rendons toujours gloire au Seigneur. Maintenant, moi, na oyaza moko. Maintenant, le Fils qui n'est qu'un seul. Awa komi ebele. Au verset 11, on l'a pluralisé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Awa nazotanga verset 11 d'Apocalypse 12. Ici j'ai lu le verset 11 d'Apocalypse 12. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il n'y a pas moyen de donner, de prendre cette parole et de l'accomplir chez les anges. Iloyo et belé oyo bakoti na katia mwana moko oyaza molon. Donc il ici au pluriel sont contenus dans un seul fils qui est vainqueur. L'épouse de l'agneau. Moi alibala ya mwana pake. Et Dieu bénisse. Amen. Maintenant les kamboni mezo salema. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut attendre la malembe malembe pour na vous expliquer. Parce que verset 7 dit à 10. Petit à petit pour expliquer le verset 7 jusqu'au verset 10. Oye le biboye. Qui dit ceci? Et il y a guerre dans les ciels. Bébé Tumba, écoute à ma qui na ma colo. Michel et ses anges combattir contre les dragons. Michael na bangelou na yeba bundisa ki dalagona. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais dalagona na bangelou na yeba bundaki. Mais ils ne firent pas les plus forts. Kasi bazala ki te makasi koleka. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Mais si kana bango ekuta maki te na makolo. Et il fut précipité. Mais bango ba kwa kamaki na mabi. Les grands dragons. Le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé. L'obico est commis. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc il y a un détonique de tambour en amont vraiment mingi mon colonalelo. C'est avec ça que nous voulons marcher dans au jour d'aujourd'hui. Nakosepela olanda toujours na bokebi par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu suives attentivement. Les diables. Zabolo. Cause à la précipiter. Être précipité. Et ça n'a pas étape et mêlée dans les Écritures saintes. Il y a beaucoup d'étapes de précipitation du diable dans les Écritures saintes. Suis-moi attentivement. Nathalie Sakibino. Je vous avais montré, bien-aimé. Tantôt le Belaki sur les serpents. Lorsque nous avions parlé sur les serpents. Qui étaient les plus risés. Dans Genèse 3, verset 1er. Dans Genèse 3, le verset 1er. Parmi tous les animaux des champs. Sokotamboli na l'écriture. Si tu fais une marche dans les écritures. Natali saki ke ba nation nyonso bazalaka comparable na ba animaux des champs. J'avais dit que toutes les nations sont comparables aux animaux des champs. Daniel 4. Vous prenez par exemple Daniel chapitre 4. Ils ont présenté un grand arbre. Là-bas, on nous présente un grand arbre. Nebuchadnezzar. Qui est le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Mais Zaraki Naba. Nation Yobazaraki Nasenaye. Dans les animaux. Mais il y avait des nations qui étaient des animaux sous cet arbre-là qui était. Dans Daniel 4.
Daniel chapitre 4. À partir du verset 22. À partir du verset 22. N'abandi même na 20. Je commence même à partir du verset 20. L'arbre, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'arbre que tu as vu. Qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel, et qu'on voyait de tous les points de la terre. La commune à verset 21 à Daniel 4. Cet arbre, dont le feuillage était beau, et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs. Là, le Seigneur montre ou parle de la vision qu'il avait donnée à Nebuchadnezzar. Maintenant, Daniel, c'est Daniel qui l'explique. Sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs. Et parmi les branches desquelles les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Daniel a expliqué d'autres wana ya Nebuchadnezzar. Maintenant Daniel explique ce songe de Nebuchadnezzar. Alors c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. Et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, Azotari Sarolenge, domination y a un roi. Là, Daniel montre comment la domination d'un roi. Nebuchadnezzar. Qui est Nebuchadnezzar? A dit ma bête des champs, Bayaki na Senaï. On a dit que les bêtes des champs s'abritaient sous lui. Mais Nebuchadnezzar, on a sommes aussi dans Jérémie chapitre 46. Mais c'est Nebuchadnezzar, si vous le prenez dans Jérémie chapitre 46. Dans verset 20 à 22. Au verset 20 jusqu'à 22. Quand le Seigneur a dit qu'on reprochait l'Égypte. Lorsque le Seigneur reproche l'Égypte. Natawana. En ces temps-là. Natawoyo, Babylone a zoregné. Babylone régnait sur la terre. Parce que l'Égypte a salaki alliance na Sédécias, roi de Juda. Parce que l'Égypte avait contracté une alliance avec Sédécias, le roi de Juda. Maintenant, Zambé a zoko reproché l'Égypte. Maintenant, le Seigneur reproche l'Égypte. Parce que na vie en Zambé. Parce que dans la vie de Dieu, a soutenu ka mutu na mabete. On ne soutient pas un homme dans le mal. Yo koko mana problème na Zambé. C'est toi qui auras des problèmes avec Dieu. Ce qui m'a baisé, s'il y a des mal quelque part, reprendre en go. Reprends ces mal-là. Et ça pour gagner ton frère ou gagner ta sœur. C'est pour gagner ton frère ou ta sœur. Ce qui est en bas, mon Dieu. Si le Seigneur te voit, au lieu d'aider moutou, au lieu d'aider quelqu'un, vous n'avez pas collé ma foutre dans ma béwa. Mais tu commences à les caresser dans le sens du poil. Nous en bas, on s'occupe de nous. Ça, c'est le Seigneur qui s'occupera de toi. C'est le Kambasala qui est l'Égypte. C'est ce qu'il avait fait à l'Égypte. Zambazo jugeait Sédécias. Le Seigneur était en train de juger le Égypte. Sédécias a fait une alliance avec l'Égypte. Et Sédécias a fait une alliance avec l'Égypte. Et Zambazo et c'est l'Égypte. Maintenant le Seigneur s'adresse à l'Égypte. Abandonne nos côtés, c'est l'Égypte, il n'est quand même bien. Il commence à montrer comment est-ce que l'Égypte est quand même à bon. Alors, il y a verset 20, il y a Jérémie 46. Il dit au verset 20, l'Égypte est une très belle génisse. Mais ici, le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle. Comme des veaux engraissées. Et eux aussi, ils tournent le dos. Ils fuient tous sans résister. Comme les jours de leur malheur font sur eux. Les jours de leur malheur font sur eux. Verset 21, le temps de leur châtiment.
Nzambe azo expliquer les destructeurs qui vont détruire l'Égypte. Maintenant le Seigneur explique les destructeurs qui viendront détruire l'Égypte. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Car il s'avance avec une armée. Il marche comme elle, contre elle, avec des haches, pareil à des boucherons. Et ceux qui ont cueilli, et si tu te rends, au Tali, toujours le verset, okay, verset 24, na 25. Le verset 24 et 25. Tina 26, Nazuka 26. Le verset 26. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Entre, maintenant, il identifie le nom de ces serpents. Entre les mains de Nebuchadnezzar. Namaboko ya Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. Mokonti ya Babylone. Donc, serpent Jean Bazolo Bela. Donc les serpents dont nous parlons. Oui, pour attaquer l'Égypte dans le temps on a Yaba Jérémie. Qui va attaquer l'Égypte du temps de Jérémie? Alobi Kombo na. Il dit son nom. Dans verset 26e de Jérémie 46. Au verset 26 de Jérémie 46. Mais Nebuchadnezzar Azalaki élevé au-dessus d'Inanima cieux. Et Nebuchadnezzar était élevé jusqu'aux cieux. On avait déjà lu cette écriture. Dans Daniel 4. Dans Daniel chapitre 4. Maintenant, Zambé, ce qui a commis si qui m'a conduit mon corps dans Souka. Maintenant, si les serpents la comparent au serpent. Dans Oiseau, quoi est sa nation? Maintenant, lorsque le Seigneur fait tomber cette nation. Azoua Likamwe Salema qui tangou combat Ezalaki. L'olégué Satan a qui précipité pour y combattre. Adam, Ève. Le Seigneur prend la précipitation de cette nation et la compare à la chute. À la chute. À la chute, il y a Satan. À la chute de Satan. Le légaïa qui combattre Ève, Adam. La manière dont après cela il était venu combattre Ève et Adam. Il y a mon comment Adam baso prophétie chute. Il y a Nebuchadnezzar. C'est pourquoi lorsqu'on prophétisait sur la chute de Nebuchadnezzar, il m'a présenté comme un serpent. C'est lui qu'on a vu être présenté comme un serpent. Dans verset 22e, il y a Jérémie 46. Au verset 22 de Jérémie 46. Même dans Jérémie 8, verset 17. Même dans Jérémie 8, le verset 17. Hazar a toujours un serpent. Il est toujours un serpent. Mais Tabazo dominait l'Icola Banation. Mais lorsqu'il domine sur toutes les nations. C'est vraiment les serpents les plus risés parmi les animaux des gens. Et tant que Bazo l'oba chute naïe. Maintenant, lorsqu'on parle de sa chute. Na Esaïe 14. Dans Esaïe 14. Dala verset 12. Maintenant, écoute le verset 12. D'abord, dans le verset 4. Maintenant, je prends le verset 4. Dans le bani même, dans le verset 3e, Esaïe 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand le. Esaïe 14, verset 3 à 4. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos. Après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fit imposer, alors qui prononcera ces chants sur les rois de Babylone? Voilà. J'avais seulement besoin de prendre cette portion pour dire que ce chapitre parlait du roi de Babylone. Mais il y a pas sur le roi de Babylone. Mais non, écoute comment on parle sur le roi de Babylone. Verset 12. Le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'Europe. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. L'astre est tombé qui c'est Satan. L'astre qui était tombé du ciel, c'est Satan lui-même. Mais maintenant, quand on parle de la roi Babylone, maintenant, lorsqu'on parle de la chute, que quand on nous en a écroulé, lorsque le roi de Babylone chute, Bazui, ce service-là, et c'est le mec qui l'a légué, précipita qui Satan. On
comprendre les combats de la précipitation de Satan? Est-ce que vous comprenez l'écriture? Parce que Nazan a besoin de comprendre Apocalypse 12. Parce que j'ai besoin que vous compreniez Apocalypse 12. Maintenant, au moment où on a besoin de le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Maintenant, ici, on parle du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Tant que vous avez sa prophétie à Kokoya, lorsque le Seigneur donne la prophétie de sa chute, a vu le mouvement de Sénéma qui t'a chute à Satan et sa l'ennemi. Il prend le mouvement qui s'était passé lors de la chute de Satan. Pour prouver que ici c'était le roi de Nebuchadnezzar. Ma puissante nation Oyonios Obazalaki avant Yé. Toutes les puissantes nations qui étaient avant lui. Zambépe a précipité qui va. Les seigneurs les avaient aussi précipités. Yamo comment on a verset 9e Ésaïe 14. C'est pourquoi vous allez voir au verset 9 d'Ésaïe 14. Les séjours des morts se meurent. Jusque dans ses profondeurs. Dans un verset 9, Isaïe 14. Pour t'accueillir à ton arrivée. Donc, parce qu'il y a un roi Nebuchadnezzar. Donc, pour continuer sur les années le royaume à Babylone. La grandeur du royaume de Babylone. Et séjour de mort n'abîme. Donc ils sont accueillis dans les séjours de mort, l'abîme. Il réveille devant toi les ombres. Tous les grands de la terre. Donc il y avait des grands de la terre avant que le royaume à Babylone puisse tomber. Donc il y avait déjà les grands de la terre avant la chute. Ma grande de la terre, on appelle ma Kweya. Les grands de la terre là étaient aussi précipités. Ma Syrie, ma Égypte, les Égyptiens. Ma Ngope, se retrouver Kuna. Et tout ceci se retrouve là-bas dans les séjours. Tant que Babylone a précipité. Et lorsque Babylone aussi est précipité, les séjours des morts les réveillaient comme des ombres. Les séjours des morts les réveillent aussi là-bas. Comme des esprits. Comme des esprits. Pour les contempler, lui qui avait dominé sur eux. Maintenant on dit ceci. Tous les grands de la terre. Il fait lever leur trône. Tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi. Tu es sans force. Comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Waneza Assyrie na Égypte. Là c'est la Syrie et l'Égypte. Parce que l'Égypte était élevé avant. Parce que l'Égypte était très élevé avant. Maintenant on va précipiter. Le Seigneur l'avait aussi précipité. L'Égypte à son temps aussi il était serpent. L'Égypte à son temps aussi était comme les serpents. Donc c'était le signe de Satan sur la terre. Donc c'était le signe du diable sur la Tant terre. Tant qu'on va précipiter, c'est le bénédicte dans les abîmes. Lorsqu'elle est précipitée, c'est-à-dire qu'elle est allée dans les abîmes. Il y avait aussi Assyrie. Il y avait aussi le royaume d'Assyrie. Mais maintenant, tant que vous pouvez Babylone à Kwei. Maintenant, lorsque Babylone aussi est tombée. Et dans les séjours des morts, parce qu'on tourne à Babylone. Maintenant, alors, et aussi dans les séjours des morts, disent à Babylone. Et toi aussi, tu es sans force. Pour rejoindre Bissoir. Tu nous as rejoints ici. Oui. Oui. Vous suivez attentivement. Est-ce que vous comprenez ma gamme solo? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi, tu es sans force. Comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Avec les sons des télites. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont à couverture. Là, les nations qui étaient déjà. Maintenant, ils disent à Babylone. Tu voilà tombé du ciel. L'astre brillant. Toi, si tu es tombé. Donc, c'est toujours le ministère du diable. Et ça, quand mon salaire est à Satan. De notre côté, nous sommes dans le ministère de Jésus-Christ. Nous sommes dans le ministère de Jésus-Christ.
Tant que nous travaillons, lorsque nous travaillons, c'est Jésus qui travaille. On voit Jésus. Mouvement à Jésus. Le mouvement de Jésus. C'est ce qui se manifeste en nous, les serviteurs. Et la même manière, Christ l'a fait. On verra aussi la victoire en nous, ses serviteurs. Le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus se voit. Diable. Côté de Satan aussi. Le ministère du diable n'a travaillé à qui? Le ministère du diable, comment est-ce que pour séduire ma ange Moussous. Pour séduire d'autres anges. Puissante nation comme serpent. Vous allez voir dans d'autres puissantes nations qu'on a appelées serpents sur la terre. Est-ce que vous en avez? Est-ce que nous faisons comprendre? Mais basons présenter qu'on précipitait Babylone. Maintenant, on présente la précipitation de Babylone. Pourquoi? Pour Nani. Ce qu'on t'a dit, verset premier. Si tu lis le verset premier. Il y a Esaïe 14. Esaïe 14. Tina verset deuxième. Jusqu'au verset 2. Nazotala, pourquoi précipitation au Esaïe? Pourquoi il y a cette précipitation de Babylone? Il y a Babylone, mais va présenter comme précipitation d'une étoile. Sur la terre. La présentation de Babylone présentée comme la précipitation de l'astre brillant sur la terre. Donc quoi à Babylone? Donc la chute de Babylone. Pouvoir n'est ici. Son pouvoir s'arrête. Satan va précipiter. On l'a comparé à la précipitation de Satan. Qui précipitait. Lorsque Satan fut précipité, il a attaqué Ève à Adam. Il était allé attaquer Ève et son mari Adam. On va marcher petit à petit avec cela. Maintenant, précipitation, ah ouais, ils ont présenté, ah, pourquoi? Maintenant, pourquoi ici on a présenté la précipitation? Dans la verset 1 à 2. Maintenant, regarde le verset premier. Il y a Esaïe 14. Esaïe 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront. Voilà combien de versets 2 à Esaïe 14. Et les ramèneront à leur demain. Et la maison d'Israël possédera dans les pays de l'Éternel. Les possédera dans les pays de l'Éternel. Comme serviteur et comme servante. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc, tant que Balobeli restauration à Israël. Maintenant, lorsqu'on a parlé de la restauration d'Israël, directement, Bazolo Banangambo et à Babylone. Elle est tombée. Directement du côté de Babylone, on doit parler de sa chute. L'astre brillant qui tombe. Pour a commis si Israël l'écriture Oyo. Parce que le Seigneur a fait d'Israël dans cette écriture. Dans Esaïe 14, verset 1er à 2e. Dans Esaïe 14, le verset 1er à 2e. Comme vainqueur. Lokola Molongi. Vous suivez attentivement. Et maintenant, bien-aimé. La personne écriture est belée à précipiter dans la profondeur de la nation. Je peux te donner d'autres écritures de la précipitation dans les profondeurs. Les amants sont belés par la grâce de Dieu. Ces écritures sont légion par la grâce du Seigneur. Ce que vous avez, ma Katia et l'obéi. Si vous prenez dans Ézéchiel, le langage des Ézéchiel, Ézéchiel, vous précipitez Ézéchiel 32. Ézéchiel 31. Ah, Bazota et Sanengi Asiya Zagi précipité. Ici, on montre comment la Syrie fut précipitée. Verset 16. Le verset 16. Par les bruits de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts. Vous voyez ici, c'est le royaume d'Assyrie. Assyrie, il y a parmi les rois, Babylone, dans le séjour des morts.
La Syrie est parmi les rois qui avaient pris la parole pour dire à Babylone d'aller séjourner des morts. Toi aussi, tu nous as rejoints ici. Mais Ézéchiel a solo parlé que ma précipita qui à Syrie. Mais Ézéchiel parle de la manière dont la Syrie fut précipitée. Ézéchiel 31, verset 16. Ézéchiel 31, le verset 16. Avec ceux qui descendent dans la fosse, tous les arbres de terre ont conçu. Ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Ici, le Seigneur nous parle de la précipitation du royaume d'Assyrie. Et Azotalisa, Égypte, B. Et le Seigneur montre aussi l'Égypte. Au verset 18. Au verset 18. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur? Adonai, parmi les herbes des arbres d'Eden. Adonai, est-ce que yo vraiment, est-ce que yo Égypte? Et toi, l'Égypte? Yo, go, kanisanaba. Arbre d'Eden en gloire. À qui ressembles-tu? Est-ce que tu peux être semblable aux arbres de l'Éden? Et bien, si tu seras précipité. Avec les arbres d'Eden. Na banzete Eden. Les arbres d'Eden sont Sédécias, na Arménios ya Jida. Les arbres de l'Eden sont le roi Sédécias et toute l'armée de Jida. Oh, ya sala qui alliance na Égypte. Le roi Sédécias qui avait fait une alliance avec les Égyptiens. Mais Nazan a besoin quand tu seras précipité. Mais j'ai besoin seulement de la précipitation. Donc, ma puissante nation va d'abord précipiter, Bambo. Donc, les puissantes nations, le Seigneur les précipitait. Mbalamokazo kokanisango na chute ya étoile. Et directement, le Seigneur les compare à la chute de l'étoile brillante. Mais là, tant que Baza précipité, cela venait nous embapper si elonga na peuple na yé. Maintenant, la précipitation des puissantes nations veut dire que le Seigneur a donné la victoire à son peuple. Aujourd'hui, peuple de Dieu. C'est l'Église. Les alliés Ecclesia. Vous en avez maintenant? Vous suivez attentivement. Église n'est pas abolie. Église comme nous sommes là. Les diables ont voulu s'abuser ma casse à cause de cette chair. Les diables nous combattent farouchement à cause de cette chair que nous avons. Pour nourrir les à la poussière. Parce que sa nourriture c'est la poussière de la terre. Mais un jour, les âmes à vous transformer ce corps à la disposition du corps de gloire. Les jours va transformer ses corps pour te faire revêtir son corps de gloire. Paul a donné la onine à Romains 16, verset 20. Comment est-ce que Paul l'appelle dans Romains 16? On a tout qui négocie ça déjà les lots par la grâce de Dieu. Pour que nous allions atterrir par la grâce du Seigneur. Romains 16, verset 21. Romains chapitre 16, le verset 20. Tous ceux qui ont remarqué, boy. Nous remarquons ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Zambe ya kimia akonyata ka kalamikite Satan na. C'est un vainqueur. Il fut enlevé est un vainqueur. Il faut pas expliquer aux situations et seulement qu'il y a précipitation étoile. Il faut qu'on t'explique la situation qui s'était passée du côté du dragon, de l'étoile. Amen. Parce qu'un vainqueur, Molongi Mokwa Mati. Parce qu'un vainqueur fut enlevé vers le trône de Dieu. Nathalie Sion a Esaïe 14. Je t'ai montré dans Esaïe 14. Quand on présente dans le verset 1er et 2e comme Israël Molongi. Lorsqu'on présente dans Esaïe 1er 14, verset 1er à 2, Israël comme vainqueur. Si on continue dans le verset 3e, Dieu qui est dans le verset 14e. Et en continuant verset 3. 3 jusqu'au verset. Esaïe 14. Esaïe 14. Bazota est ça pour précipiter à Babylone. On nous parle de la précipitation de Babylone. Donc, bataille ici, restauration Israël. On a parlé premièrement de la restauration. Chute à Babylone. Et après, de la chute de Babylone. Parce que Babylone a été dominée. Parce que Babylone dominait Israël. Tant nous avons coué ici Babylone. Et lorsque le Seigneur fait tomber Babylone. Cela veut dire arracher des peuples d'Israël à Bébissi. Cela veut dire que le Seigneur rachète le peuple d'Israël. Bissot aussi. De même, nous aussi. Nous avons la rédemption de notre corps. Nous attendons la rédemption de notre corps. Lorsque la rédemption de notre corps s'accomplit, donc ce corps est changé, c'est l'écrasement de Satan. Et ça y est, qu'on y a Satan.
vainqueur. C'est pourquoi nous sommes appelés vainqueurs. Pour monter vers le trône de Dieu. Il ne faut pas présenter maintenant les diables précipités. C'est pourquoi on doit présenter les diables comme précipités. Donc, départ à l'église. Donc, notre départ à nous, l'église. Yango va présenter mouvement dans Apocalypse 12. C'est pourquoi on a présenté ce mouvement d'Apocalypse 12. Il y a un combat dans les ciels. Bitumba moko somaki na makolo. Ozora na mala. Amen. Ah. Mais les diables ont la précipité. Mais le diable sera précipité. Et les koloba, c'est la vérité. Aza précipité pour ani. Pourquoi est-ce qu'il est précipité? Moi non ané toi ami. Parce que le fils qui est enlevé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est dans ces fils-là qu'on trouve les vainqueurs qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je t'avais déjà parlé de ces fils-là comme un vainqueur. Apocalypse 2, 27, 26, 27, c'est l'église qui a persévéré jusqu'à la fin dans sa vainqueur. Je vous avais montré dans Apocalypse 2, le verset 26 à 27, c'est l'église qui a vaincu, qui est vainqueur. Vaincre. Et quand toi tu vins le combat, cela veut dire que l'ennemi a précipité. Cela veut dire que l'ennemi est précipité sur la terre. A précipité plusieurs fois. L'ennemi est précipité plusieurs fois dans les églises. Remarquez, tant que Jésus a dit que ma disciple m'a gagné. Remarque lorsque Jésus avait envoyé ses disciples aller prêcher. Dans Luc 10. Dans Luc 10. L'encore ma disciple m'a gagné colonne à démon à manzoto. Comme les disciples étaient en train de vaincre les démons dans les corps. Lorsqu'ils sont rentrés avec la joie, Seigneur, les démons nous ont tombés. Nicolo, parmi ma parole, Jésus et Psegibango. Parmi les paroles que Jésus leur avait dites, je voyais Satan tomber comme un éclair. Nazala qui commande à Satan à conquérir le col à Ekalika. Donc ceux qui bolongi. C'est-à-dire si vous avez la victoire, Batali sera l'ennemi précipité. On montre toujours l'ennemi dans la vision de la précipitation. Vous suivez attentivement. Le lengue moko na mabele. De la même manière sur la terre. Tant que l'ennemi a se révolté dans les colos. Lorsque l'ennemi s'est révolté là-bas dans le ciel, aza précipité. Il est précipité. Or, mabele za mabe sa qui domination par Adam. Or, la terre était remise en Adam pour l'ennemi pas à l'occasion autorité. Et l'ennemi aussi cherchait l'autorité qu'il avait. Tant qu'Adam quoi ça. Lorsque Adam fut tout. L'ennemi fut élevé sur la terre. Amen. Vous suivez l'enchaînement pour cet exemple. Et ça pour vous. Israël, Israël avait la victoire. Sur les nations, s'il obéissait. S'il obéissait. L'ennemi sont précipités sous. S'il désobéit. L'ennemi s'élève. Vous suivez les mouvements. C'est ça la vie. Et ça pour connaître Biblie ça. Le lengue moko biso. De la même manière, nous aussi. Tant que nous y cantons, nous sommes picotés dans souka et marche. Lorsque nous allons persévérer jusqu'à la fin. Et que l'ennemi a coquille biso terre. Et que l'ennemi n'est pas parvenu. L'ennemi, toi, n'a biso, il faut battre ça. Et l'ennemi, nous allons précipiter. Notre enlèvement doit être vu en forme ou dans la vision de la précipitation de Satan. C'est ça l'Apocalypse 12. Il y a un côté Apocalypse 12. Que Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas pour la bino. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Il faut savoir que Michel, là, c'est Jésus-Christ. Michel, là, c'est Jésus-Christ. Il faut savoir que Michel, là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui le chef des anges, leur maître. C'est lui. Lorsqu'il était venu chez Jésus, il était venu avec une tenue de soldat. Josué l'a regardé. Il lui a posé la question. Est-ce que vous êtes de notre? Ou bien du côté des ennemis? Ah oui, je suis le chef de l'armée de l'éternel. L'armée de l'éternel, c'est l'armée de l'éternel. C'est lui-même l'éternel. Et les gens du monde n'ont fait qu'imiter. Oh, le président. Aza directement. Il est directement. Chef de l'armée, ce qui m'appelle ça titre. Magistrat suprême et chef de ces armées. Vous savez, maintenant, imiter le
les écritures de Dieu. Ce qui montre chef de l'armée qui était venu. C'était l'Éternel lui-même. Ce qu'il avait fait chez Moïse dans Exode 3. Enlève tes souliers. Il a effacé ton Josué. Le même Dieu. Pour montrer que le même Dieu. Oya visita qui Moïse. C'est moi-même qui suis là, qui suis venu. Il y a mon adresse à Josué. C'est ce que je veux. Autre aussi des souliers. On a monté les sacs de Josué. Pour montrer que Josué. Yote ndoko bunda. Ce n'est pas toi qui combattras dans Canaan. On a besoin ma là mon père. Pour posséder la terre. On a yenga mon corps. Je suis venu.